Bonjour à tous, je me présente à nouveau, je m'appelle Antoine Bois, je suis l'un des fondateurs et le dirigeant de la société Bigbash. Et aujourd'hui, en 30 minutes, je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux ce qu'on fait. Donc, on est éditeur d'une solution de tableau d'or d'entreprise, c'est-à-dire de création de données, d'exploration et de quelques mots sur la société. Donc, on est une société française basée à Aix-en-Provence et le siège social, on a le bureau à Paris et à Madrid. On a plus de 150 clients, c'est-à-dire 150 000 utilisateurs dans ces pays. On a été aussi l'objet d'une enquête qui a été réalisée par Tony Lebar, qui est un cabinet indépendant. Et on a parlé d'or dans 11 catégories différentes. Ils ont interrogé nos clients qui recommandent le produit à 100% parmi ceux qui ont été interrogés. Donc, on a quelques indicateurs intéressants si ça vous intéresse d'avoir. C'est plus complexe sur cette étude de marque qui est disponible sur notre site web en téléchargement. Quelques mots sur la plateforme Bigbash, on est une plateforme complète qui permet de construire des applications de signal métier. Donc ça va de la préparation de la capacité à collecter, à voyager et transformer, jusqu'à la partie restitution, c'est-à-dire la capacité de faire des graphiques avancés, des interactions poussées avec ces graphiques. On a aussi tout un aspect publication, la création de documents PowerPoint, etc. Tout ça conduit dans la même solution. Y compris dans cette même solution, on a tout intégré, c'est-à-dire des modules séparés, la capacité à faire des analyses avancées, hein, de la statistique à cultiver, du productif, etc. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, bah, c'est quelques exemples de tableaux de bord à travers ces trois grands capacités de Bigbash, la capacité à produire un tableau de bord de pilotage. C'est-à-dire un tableau de bord pour lequel on veut en un clin d'œil avoir les informations précises sur un certain indicateur. Deuxième type de tableau de bord, le tableau de bord d'exploration. C'est le tableau de bord dans lequel je vais laisser à l'utilisateur la capacité de rentrer dans son jeu de données, rentrer dans le détail, de filtrer, de changer les indices d'analyse. Et puis enfin, le troisième type de tableau de bord que je vais vous montrer, c'est un tableau de bord de communication. C'est un tableau de bord dans lequel je m'adresse à un utilisateur qui ne sait pas de quoi je parle et je vais l'accompagner sur la compréhension de données. Donc, ça va être le mélange de texte explicatif avec des analyses graphiques. Okay. À quel type d'utilisateur on s'adresse dans la plateforme Bigbash? Il y a principalement trois grands utilisateurs. Le premier, c'est l'utilisateur du métier, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de compétences informatiques, qui n'est pas habitué à manipuler les données. Nous, on définit en interne comme quelqu'un qui ne sait pas utiliser Excel. Ça devient un certain métier. Donc, il nous fait une interface très simple, une interface dite de pointer-cliquer. Okay. Deuxième profil d'utilisateur, l'analyste, c'est plutôt quelqu'un qui a déjà une expérience. Alors, ça peut être Excel, ça peut être des infos, c'est ce genre de produit-là. Il va devoir retrouver ses automatismes quand il transite vers une plateforme nouvelle. Donc, on a effectivement une interface qui lui permet de faire cette transition d'un moment le plus simple possible. Et enfin, dernier profil, ce qu'on appelle aussi des responsables décisionnels, ou bien même encore moins de l'ordre de vie, c'est les gens qui sont beaucoup plus proches de la donnée, qui ont besoin d'être dans un environnement de développement dans lequel ils vont pouvoir documenter ce qu'ils mettent en place. Que ce soit la création de sources, que ce soit la création d'indicateurs complexes, on va pouvoir documenter tout ça au sein du site. Ok. Alors, en termes de référence, on est présent dans des acteurs assez divers et variés. On est catégorisé par un typologie de compte, donc catégorie de rencontre, hein, c'est au sens européen du terme, mais aussi au sens nombre de licences déployées, c'est moins d'un utilisateur pour chacun de ces comptes. On est présent dans le secteur public, dans différents niveaux, les ministères, les collectivités de toute taille, et puis dans les propriétés intermédiaires et les collaborateurs, encore une fois, tout le secteur d'activité confondu, vous voyez ici, avec du retail, des statistiques, du web marketing, bien équipé. Je vais vous montrer directement une démo, parce que c'était un peu ça l'objet de la présentation. Je parlais des trois grands types de tableau de bord, je vais revenir rapidement dessus. C'est-à-dire qu'on va se placer d'un point de vue utilisateur, comment on utilise ce tableau de bord. Et après, en fin de présentation, je vais vous montrer comment on construit ce tableau de bord. Parce que tout ça peut se faire à travers notre plateforme. Donc, premier type de tableau de bord, le tableau de bord de pilotage. Donc, on est vraiment sur une liste d'indicateurs dans lequel la seule chose qui m'intéresse dans ces listes, c'est les points rouges et les buts chacune. C'est l'endroit où je dois porter mon attention, l'endroit où il y a un problème. Donc, ce point rouge, ici, on voit qu'il est calculé de manière très facile, très naïve. À chaque fois que, en l'occurrence ici, le coût a dépassé le budget, ben, j'allume ce point rouge. Et ce point rouge, je dois poser mon calcul depuis plus avancé. Pareil sur le nombre d'employés, je vois qu'à chaque fois que le nombre d'employés a dépassé la barre des employés qui m'étaient fixés, ben, le point rouge apparaît. Pour avoir un axe d'imagination, c'est le cas ici, sur le pays, si je choisis un pays en particulier, ben, je vois la déclinaison de ces indicateurs pour ce coût. OK. Voilà, ça c'est un premier exemple de tableau de bord de pilotage, deuxième exemple de tableau de bord de communication. Donc là, la vocation est assez différente. Hein. Je m'adresse à des gens qui ne savent pas de quoi je vais leur parler. Donc j'ai tout un enrobage explicatif qui explique ce que qui explique à l'utilisateur qui construit ce tableau de bord de quoi je vais leur parler. En l'occurrence, ici, c'est la mise en place du télétravail au sein du département régional. Donc on voit effectivement que je peux descendre, il va y avoir un certain nombre d'auditeurs qui est documenté, ça s'adresse à un grand public. Donc je peux cliquer sur un point d'interrogation pour voir effectivement
pour réglager ces indicateurs. Okay. Ici, on voit qu'ils sont dans un contexte des indicateurs. Il y a 2019, il y a le nombre de collaborateurs du département, le nombre d'agents mobilisés pour faire du télétravail et le nombre actuel de télétravailleurs en 2019. Ce peut changer d'année, ce sera en 2018, par l'ensemble des indicateurs seront mis à jour. C'est vrai pour les indicateurs, mais c'est vrai pour l'ensemble des représentations graphiques, la répartition de femmes, la charge du désastre, la raison pour laquelle les demandes ont été reçues. Et tout ça reste un caractère. Je peux rentrer en niveau en détail, je peux changer d'année. Donc, on voit que l'ensemble des indicateurs seront mis à jour. Autre point important de faire le voir en détail, c'est que comme pour être diffusé sur n'importe quel type de support, ils vont automatiquement s'adapter à la taille du support, ce qu'on appelle le responsive design. Ici, on est sur un écran assez large, mais si j'étais sur un écran plus petite taille, je vais difficile de simuler en retaillant mon navigateur. Donc, on voit ces différents indicateurs, donc je vais voir ce que vous savez, les uns au-dessus des autres plutôt que d'être les uns à côté des autres. Là, c'est un choix de design d'avoir laissé cette boîte apparente, elle aurait pu se replier sur l'écran de toute taille. C'est tout simplement un choix de design. Okay. Si je m'amène sur un écran un peu plus large, je vais revenir un peu plus bas sur ma page, je vois qu'ici j'ai la distribution de l'endroit où les gens ont pratiqué du télétravail, j'ai des sites qui sont mis à disposition par le département pour que les gens viennent s'installer. Comme il y a beaucoup de sites, parce que si vous voulez, je peux prendre un site ensemble du département, le Libourne, et voir quels sont les sites apparents. Je vois la liste des sites ici, si j'enlève le Libourne, ben, non seulement la carte m'affiche tous les sites, mais la liste aussi s'agrandit pour montrer tous les sites. Je peux faire une recherche ici, si je commence à taper site, pardon, ah, je vois tous les sites. Qui contient ici, je sélectionne ça avec ce journal et je vois directement comment ça se positionne. Okay. C'est vrai pour l'ensemble des graphiques sur ma tête. Dernier type de tableau de bord que je vais vous montrer, le tableau de bord d'exploration. De façon, encore une fois, je vous rappelle, elle est différente, c'est de laisser l'utilisateur naviguer à ses données. Donc, je vais vous donner un petit peu de contexte, mais sur une société qui a une grande distribution qui se pose la question suivante. Comment est-ce que je peux faire pour comprendre si les campagnes télémarketing influent sur la génération de chiffre d'affaires? Alors, la première chose, c'est que ces sources sont deux sources séparées. D'un côté, j'ai l'ERP qui donne l'information de vente, qui va faire marque, etc. Et de l'autre côté, j'ai la base de télécom qui donne l'information de toute communication de votre application. En fait, dans le village, c'est des données en commun sans nécessairement passer par un entrepôt intermédiaire. C'est du village qui va servir d'entrepôt de données et de croisement de ces données. D'accord? Ici, on est sur un volume de données qui est relativement modeste, on est à peu près 2 000 en ligne, mais tout au moins local sur la machine. Ça veut dire que derrière, effectivement, le moteur d'agrégat, c'est celui de Bidash. Et c'est un des points fondamentaux de Bidash aussi, c'est qu'on a un moteur d'agrégat qui est capable de monter vers des milliards de lignes. Il y a certains clients, comme Orange par exemple, qui traitent avec Bidash des milliards de lignes. Okay? Avec une infrastructure, c'est une infrastructure distribuée. Donc, comme si une seule machine physique n'est pas suffisante, on distribue sur un ensemble de machines de calcul pour avoir des temps de réponse qui sont instantanés. Okay? Donc là, par exemple, c'est ce que vous avez en particulier, bah, toutes les index s'ajustent par rapport à cette année, c'est ce que vous avez en particulier, par rapport à ces index. Je peux bien évidemment aussi venir cliquer sur une vignette pour obtenir le détail de cette vignette. Par exemple, ici, j'ai le chiffre d'affaires par maison. Il y a 10 meilleurs produits qui génèrent ce chiffre d'affaires et l'évolution du chiffre d'affaires pour la période que vous avez cette vignette en 2018. Je peux continuer à naviguer. Donc, dans une vignette géographique qui descend en Europe, qui descend en France, et l'ensemble des géographies s'ajoute juste à la nouvelle sélection. Je peux aussi tourner un graphique, par exemple, ici, si je veux voir le détail sous forme de tableau, bah, effectivement, c'est beaucoup plus clair de pouvoir comparer, par exemple, le chiffre d'affaires, si je veux le trouver. Donc, je peux remonter au niveau continent, descendre en Amérique, tout ça reste interactif. Et si je tourne à nouveau mon graphique, mon tableau, par exemple, c'est le graphique de la part de celui qui va s'afficher. Puisqu'on a une vraie correspondance entre l'ensemble des graphiques de la page, mais également d'autres pages. Ici, c'est sur 2008 États-Unis. Si je vais sur la page comparaison, je suis dans le même contexte de 2008 États-Unis. Donc, c'est pour ça que ce qui est montré ici, c'est la carte des États-Unis, mais aussi tous les autres graphiques dans ce contexte-là. Je peux continuer à naviguer, on peut rentrer en détail. Je peux aussi filtrer, donc si je choisis un ou plusieurs types de téléphone ici, je vois que tous les graphiques vont s'ajuster à ma sélection. Okay. Ça va donc permettre à l'utilisateur de faire des découvertes dans ces données. Quand il va faire des découvertes, éventuellement, il va devoir partager ces découvertes. Donc, je peux exporter l'information pour la partager aux gens qui n'auraient pas accès à ce tableau de bord. Donc, ici, si je dis sauvegarder un PDF, ben, le PDF qui vient générer, c'est hyper simple à comprendre. C'est le bloc, en l'occurrence, donc son contexte de sélection, le filtre, et le graphique tel qu'il apparaît sur ma page. Seul petit problème du PDF, c'est qu'il y a très peu de gens qui sont utilisés pour manipuler le contenu d'un PDF. Donc, c'est un format un peu final qui est difficilement manipulable. C'est pour ça qu'on a deux formats d'export dans Bidash. Je peux sauvegarder en PowerPoint. Alors, c'est un PowerPoint qui se trouve dans toutes les suites. Hein. Donc, ça peut sauvegarder en PowerPoint, mais aussi dans LibreOffice, Open Office, Google Word, etc. Et là, par contre, on peut éditer puisqu'on a mis en PowerPoint. Donc, ça veut dire que si c'est LibreOffice, peut-être c'est le site PowerPoint, je pourrais le faire. Ça veut dire que même les graphiques sont éditables. Ici, je vais prendre la Californie pour la mettre de côté et faire un commentaire particulier, je peux le faire. D'accord? Donc, toutes les parties des graphiques dont je vais exporter sont en mode vecteur web. Ça veut dire que je peux appliquer aussi n'importe quel filtre défini pour m'intégrer au code dans une présentation existante. Attention, n'allez pas vers ce genre de délire 3D.
si pour les ventes, on a déjà travaillé avec des chercheurs autour de la reprise visuelle, que ce soit Edward Testing, Visual Agnes, FFC, ils ne sont pas d'accord sur tout, mais ils sont tous d'accord pour dire que la 3D est un bonheur des présentations. C'est plutôt un frein à l'autre. On peut faire encore plus de déconseillers. Ok, donc là j'ai exporté un graphique, on peut aussi exporter les données portées par ce graphique, parce qu'il se fait en Excel, mon but c'est pas de récupérer le graphique dans Excel, c'est de récupérer les données pour qu'on puisse manipuler les données de ce graphique. Donc là je vois effectivement les états des États-Unis, leur communication associée. C'est formaté en euros, mais on voit bien que c'est un chiffre, donc je peux continuer à faire des formules de fonds, si je le souhaite. On peut aussi exporter un ensemble de graphiques, si je clique sur télécharger PowerPoint ici, bah, plutôt que d'avoir juste un bloc, ça va reprendre les éléments sur plusieurs blocs et les assembler au sein d'un PowerPoint multipage. Donc là, on voit qu'on a exporté l'ensemble des informations avec notre compte de CNC. Ok. Voilà. Dernière chose que je voulais montrer, on était vraiment sur l'utilisation par un utilisateur métier. Donc, en temps, je définis comme 13 boutons. Vous vous souvenez, dernière chose que je peux faire en tant qu'utilisateur métier, c'est de la stimulation. Alors là, j'ai déjà encore des filtratifs, mais je vais les enlever. Je peux donc choisir de simuler une ou plusieurs variables qui sont importantes pour ce créateur. En l'occurrence, j'en ai mis qu'une seule, c'est de 400 €. Mais imaginez que notre prestataire d'augmentation peut baser aux États-Unis, le facteur 1 $. Donc, ces 400 € vont influer sur les coûts de communication, quelle que soit la zone d'analyse. Ici, si j'étais tourné dans France, je vais voir que ma simulation ici, elle parle bien de la France maintenant. Donc, on peut continuer à explorer dans un axe ou l'autre. On a ce contexte qui reste valide, quel que soit le scénario. Je peux aussi laisser l'utilisateur filtrer par les axes qui sont présents ici, en dépouillant directement ce qui montre qui est sélectionnable. Par exemple, j'ai choisi la France, mais je vois que la région française. Mais si je choisis un type de téléphone en particulier, je vois les régions françaises qui vont utiliser ce type de téléphone. Il y a certaines qui ont été exclues, pour la Corée, pour Bretagne, etc. Elles ont été exclues parce qu'elles n'ont jamais utilisé ce type de téléphone qui est un téléphone et qui va se répéter. D'ailleurs, on voit ici, si je clique sur voici la paix, l'ensemble des téléphones qui va se répéter va en parler. Okay. Après, depuis la boîte de sélection, je peux enlever des choses. Je vais voir l'ensemble des dates, l'ensemble des pays, l'ensemble des types de données. Ma boîte graphique s'ajuste automatiquement et n'importe quel moment, je peux faire varier les 400 €, voir comment on passe. Sur l'accès temporel, on peut choisir, bien sûr, de manière très facile, bien sûr, comme on l'a dit, la période de temps qui nous intéresse. Donc là, tout ça, c'est l'utilisateur métier. Maintenant, je vais passer à un autre type d'utilisateur qui est l'analyste. L'analyste, c'est quelqu'un qui a déjà un peu une compétence autour de la data. Donc, il va voir avec courant sur l'exploration de ces données. On va lui donner accès finalement au modèle humain. Donc, s'il a accès aux dimensions, aux mesures, il peut enrichir son tableau. Par exemple, si je voulais prendre un pays à côté des années, je vais avoir par année, par pays, toutes les notations. Je le fais ici en liste déposée, je pose un total. Pourquoi je le fais en liste déposée? Parce qu'en fait, c'est un ensemble de liste déposée. Donc, c'est des familles de liste déposée. Il y a deux gens, peut-être parmi nous, qui ont utilisé des produits comme, je ne sais pas, MicroStrat, par exemple, dans lequel on a plutôt, en général, utilisé le bouton clic droit. Donc, je peux aussi le faire en clic droit. Le but, c'est une transition facile de tous les produits que vous connaissez vers du PS, pour que les utilisateurs experts restent des utilisateurs experts, quel que soit la solution. Donc, là, ce qu'on va faire un total de tout, par exemple, ça peut se faire très bien. Pour ajouter une mesure supplémentaire, on va prendre par exemple un visuel de communication. Elles vont avec un agrégat favori. C'est-à-dire que quelqu'un dans le modèle de données a dit que l'agrégat favori pour les durées de la somme, mais moi en tant qu'analyste, ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse. Donc je vais pouvoir dans les options dire je vais changer d'agrégat, je vais prendre la moyenne, je le pose sur durée, je vais prendre la moyenne de durée. Je peux aussi prendre des transformations un peu plus complexes. Par exemple, je prends année moins 1, je vais imposer sur toute communication, ça va me générer automatiquement la colonne pour année moins 1. En vidéo pour qu'on comprenne un peu mieux ce qui se passe ici. C'est déjà les années dans mon tableau. Donc en diagonale, c'est la même chose, d'accord? Parce que 2017 en modèle de moins 1 correspond à 2016 année en cours. Mais je vais prendre que 2018, je vais enlever les dates, d'accord? Donc j'ai 2018 d'un côté, 2017 de l'autre. Si je voulais faire une fonction de comparaison, par exemple un pourcentage de progression, entre mon coût de moins 1 et mon coût, c'est aussi simple de le faire en essayant de cette manière. Si j'étais un peu plus avancé, j'aurais même pu écrire moi-même ma fonction. Donc je prends une formule ici. Et je vais écrire cette même fonction, mais cette fois-ci, ça va être une formule mathématique. Donc, ça va être le coût moins le coût de moins 1, qui est combien de fois on essaie de poser le budget disponible dans le calcul de formule, divisé par ce coût de moins 1. Je vais l'associer informellement, on va prendre le pourcentage, mais avec deux chiffres à travers l'heure. Donc, vous montrez que c'est bien le même calcul, mais présenté d'une manière différente. D'accord ? On n'est pas obligé de garder les deux, on se prend bien les deux, peu importe. Et je peux continuer à exploiter mon tableau. Ce n'est pas obligatoirement que pour garder 2018 par rapport à 2017. Si à la somme de 2018 est 1408, mais si je rajoute 2017 au contexte, on peut faire du bleu sur le contexte là. Donc la première colonne contient 2017 plus 2018. Par glissement, elle est moins 1, je la compare à 2016 plus 2017. Et j'ai deux progressions qui sont découpées dedans. J'ajoute n'importe quel axe, ça continue de fonctionner comme une correspondance. Okay.
Donc ça, c'est une solution qui est bonne pour les analystes. Mais si je veux créer un graphique ou un tableau de représentation visuelle en tant que non-analyste, ben, c'est un peu trop complexe ce système de lycée déposé. Même si pour la plupart d'entre vous, ça paraît probablement simple, pour un utilisateur métier avec peu de connaissances, ça reste compliqué. Donc on a une alternative à l'idée, c'est de poser une question à son système en langage naturel. Je vais avoir le coup parti de ligne, je pose cette question-là. Il va me générer automatiquement un graphique qui me semble le plus approprié pour reprendre cette donnée. Donc là, je vais effectivement le coup sous forme de graphique, enfin, le coup parti de ligne sous forme de graphique en barre. D'accord ? Toujours filtré par le message de musique, mais rappelez-vous que par défaut, le graphique en barre, c'est interactif. Donc je peux continuer à explorer, rentrer dans les détails, etc. Si je veux voir le coup parti, cette fois-ci, il ne va pas me proposer un graphique en barre, puisque la dimension temporelle est une dimension continue, ce qui est plus approprié pour la représenter, c'est une courbe. C'est pour ça qu'il a choisi la courbe. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le moteur d'intelligence artificielle qui va essayer de choisir les meilleurs graphiques en fonction des questions que je vous pose. D'accord ? Et là, ce qu'on considère le joueur en fonction des données. Si je demande par mot et par type de ligne, je vais juste mettre un point public, par défaut, il propose un tableau croisé, mais encore une fois, un analyseur de défense. J'aurais pu l'influencer en disant, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ça sous forme de graphique en colonne. Donc là, cette fois-ci, c'est graphique avec un meilleur mot, c'est le graphique en colonne qui me prend exactement la même information. Je peux aussi poser des questions simples, comme j'ai le coup pour le Canada, par exemple. Donc, il va comprendre que le Canada fait partie de l'axe géographique. Un bon moyen de présenter l'axe géographique sur une carte, donc là, je vois effectivement la carte du Canada. Okay. Donc là, on est tout en interrogation ad hoc. Je me pose une question avec les octaves, c'est-à-dire que j'en aurai pas besoin demain. Sur les zones de manière plus récurrente, j'ai plutôt intérêt à me créer une nouvelle page de tableau de bord qui va persister. Donc là, je pourrais le sauvegarder en l'occurrence graphique. Mais je vais pas le faire, je vais aller dans l'éditeur de tableau de bord. Et je vais aller dans une page personnelle dans laquelle je peux soit assembler des choses que d'autres personnes ont déjà créées, par exemple, si je vais le faire, je vais le faire par raison. Dans le télécom, je vais prendre la corrélation entre le temps de communication et la qualité de communication. Je peux ici positionner le graphique comme je le souhaite sur la page. D'accord ? Je suis vraiment en train de constituer ma propre page. D'accord ? Une fois que je viens à la vision de cette page-là, bah, toute l'interactivité qu'on peut imaginer, puis je vais rentrer dans le tableau de ça va rester assez vite, etc. Je vais rentrer à nouveau dans l'éditeur. On va aller encore plus loin. J'ai juste assemblé des choses sur l'éditeur déjà été créées par d'autres personnes. Maintenant, je voudrais en tant qu'utilisateur métier plus, me créer mes propres liens sur ma propre source. Attention, je suis en métier, donc tout ce que je maîtrise, moi, c'est les fichiers. On verra tout à l'heure comment on peut connecter des sources plus avancées. Mais là, je vais connecter effectivement des fichiers. Donc, on va prendre un premier fichier qui est ici en français. C'est un fichier Excel qui a plusieurs onglets, donc je le montre. Je vais cliquer sur suivant, je vais prendre mes ventes, et il va essayer de comprendre de quoi parle ces données. Donc, automatiquement, il me dit, bah, si ça ressemble à des mots de vente avec une date de 5 sur 5. Si je dis que la source, on va voir ce qu'elle contient. Elle contient des dates, elle contient des régions. Alors, attention, il n'y a pas de séparation sur les colonnes dans les dates, entre les mois et les années, c'est vraiment une date. Sur les régions, c'est pareil. Il n'y a pas de pays ni de continent. C'est juste une région. On va voir qu'il va être capable de reconstituer une hiérarchie sur l'axe temporel et une hiérarchie sur l'axe géographique automatiquement. D'accord ? Ensuite, il y a un certain indicateur, si il a fait un grand état. Je vais tout laisser par défaut. Dans configurer le modèle, c'est là où je pourrais changer les choses, les noms de colonnes, rajouter des nouveaux indicateurs, etc. Je ne vais pas le faire, on va rester par défaut. Sauf que ce que je vais changer, c'est le nom de cette source et la clé vente plutôt que le nom du fichier. D'accord ? Une fois que j'ai fait ça, si je clique sur vente au détail, on va voir qu'il va me proposer des types de restrictions automatiquement. Si je clique sur terminer construire, il va me générer automatiquement une page de tableau de bord, une page produit, donc je vais voir par raison par produit que je dois faire, les 5 meilleurs produits. Une page de carte clé, donc je vais voir la cartographie des ventes, l'évolution des ventes par an. Donc si je veux faire la version par continent, ben là on la voit, j'ai les 10 régions, il était capable de les régions juste au niveau continent. Et pareil, sur l'axe temporel, il est régé par année par défaut. On va voir que je peux manipuler ça. Je peux continuer aussi à enrichir sur le bord. Je vois qu'il ne m'a rien indiqué sur la marge, alors que je m'intéresse à la marge. Donc je crée une nouvelle page, je vais aller dans le tracé graphique, mais pas en faire un nouveau sens, je vais déjà changer. Je vais juste venir la sélectionner, elle s'appelle vente. Et je vois, là, il va m'indiquer les choses qui sont faisables avec cette source-là. Mais les étendants, c'est un axe temporel. Et moi, je vais choisir l'indicateur qui m'intéresse. Donc, je vais afficher la marge, je vais cliquer sur plus, et je vais positionner le tableau, enfin le graphique que je souhaite. Pareil sur la géographie, je vais prendre une marge, je vais cliquer sur plus, et je viens positionner mon graphique à côté de l'autre. Alors, on va voir que des petits traits qui vont me servir d'aide pour aligner les choses correctement. Je peux aussi rajouter un contenu additionnel, par exemple une boîte de recherche, c'est aussi simple à faire, et je vais la positionner comme ça. Et maintenant, si je viens consulter ce tableau, bah, toute l'interactivité qu'on pourrait imaginer, elle existe par défaut. Je vais cliquer sur la même indicateur, je vais rentrer sur un produit particulier. Je vais choisir quelque chose, par exemple, je tape BA ici, bah, je vais classer le produit. Hein. Par exemple, là, un baladeur, en plus du baladeur, je vais choisir un téléphone mobile. Donc on voit effectivement que
naturellement, tous les éléments vont pouvoir être recherchés très simplement à partir de la source Excel. Donc, quelques clics, en tant qu'utilisateur métier, pour venir le faire directement, en plus, vous êtes potentiellement relié à d'autres cas de droit existants, si peut-être il y a des entrées possibles avec d'autres sources que vous allez faire référence à la fin. Ok, dernière chose que je vais vous montrer ici, c'est dans la partie éditeur, si j'ai un utilisateur un peu plus avancé, on a vu tout à l'heure l'analyse, j'ai accès à ce petit crayon d'analyse. Donc ça veut dire que je peux venir, bien sûr, changer le style des graphiques, mais c'est pas ce que je vais faire, je vais rester dans ce sens-là. Ce que je vais faire, c'est continuer à explorer les éléments graphiques. Donc par exemple, je pourrais dire, bah, tiens, je vais mettre année dans l'aspect utilisateur pour voir comment évoluerait ce graphique par année. D'accord ? Pareil sur mon autre graphique ici, si je veux pas l'avoir par année, c'est que par fin de données, je vais dire, je vais pas voir directement par mois. Donc je vais poser le mois ici, je vais évoluer ce par mois. À ça, je pourrais rajouter une fonction prédictive. Donc par exemple, on va faire des forecasts, je pousse sur marge, et automatiquement, il va me montrer ce que cette fonction, comment cette fonction se sera potentiellement passée, et dans un an, qu'est-ce qu'il me prévoit d'un point de vue tendance et d'un point de vue sécurité de ces données. Donc ça permet très facilement de faire une forecasting, même pour un utilisateur de base. Ok, voilà, je vais peut-être, il nous reste à peu près 10 minutes, commencer par une petite session de questions-réponses, et après, s'il n'y a pas trop de questions-réponses, je vais vous montrer la partie studio, une connectique un peu plus avancée avec des bases de données. Mais je vous explique que je vais vous poser quelques questions. C'est que je vous ai tous perdu, mais c'est que j'ai été très clair, c'est l'un des. Dans la salle, quelqu'un. Oui. Ah, pardon. L'IDAS vient piocher dans la base de données, il sait reconnaître quel genre de données métiers il a ingurgité en somme. Oui, et donc il vous propose des objets qui sont en conformité avec ce genre de métier, vous validez. Et que l'utilisateur valide si c'est de la finance, si c'est un truc de vente, etc. À partir de là, vous avez un ensemble d'outils préconstitués qui permettent de manipuler et d'afficher des graphiques. C'est ça. Mais effectivement, sur la partie nettoyage de données, parce que je pense que c'est un peu ça, notre question sous-jacente, c'est-à-dire qu'on conserve des données, c'est pas trop très propre, on a un peu des erreurs. Là, tout ça, on va être capable effectivement de détecter leur outil à l'utilisateur. Donc là, je vais passer dans cette démo pour pas. Que vous déployez la démo, mais vous pourriez vraiment dire à un endroit, bah, tiens, on a plein de prénoms qui sont reliés et heureux, il y a un prénom qui peut le relier. Alors c'est peut-être normal, mais s'il n'y a qu'un seul parmi les millions, c'est peut-être pas normal aussi. Donc on va vous remonter ce genre d'anomalie-là. D'accord ? Donc ça, c'est l'autorisation, mais c'est un choix d'utilisateur, avec de dire si c'est normal ou pas. D'accord ? Donc pareil, dans toute la partie traitement, scripting studio, donc là, c'est dans cette partie-là qu'on va aller effectivement. Voir toutes les sources données, la capacité à se connecter à des choses plus avancées, je vous ai pas montré, hein, des bases relationnelles, multidimensionnelles, SQL, Elasticsearch, la capacité à faire la transformation, du colonne, rajouter un serveur R pour faire des statistiques avancées, sourcer les données, utiliser un serveur pour donner sa histoire, supplément pour dire l'histoire. Donc on a tout un ensemble de connecteurs qui va permettre de rapatrier de la donnée, et pour chacun de ces connecteurs, on va retrouver une petite fenêtre qui est commune, alors j'ai pas besoin de recréer une nouvelle, hein, je pourrais utiliser une de celles que je viens de connecter là. Donc, ici par exemple, celle que je viens de charger sur la partie non studio, si je dis que la source de données, je vais retrouver exactement la même interface hein, dans laquelle je vais pouvoir faire des choses plus avancées. C'est-à-dire, effectivement, si je vais faire moi-même de la transformation de données basée pas sur une fonction préétablie de data, ça c'est normal dans un certain nombre, mais sur mon propre script, ben, je vais pouvoir le faire aussi. D'accord ? Donc, on peut, si on le souhaite, faire des choses plus avancées. Là, on est dans la partie studio, c'est le modèle de données. Donc, on est tout le monde dans le secteur métier et dans le monde de l'analyse. Et on a quand même une réponse, effectivement, pour faire des choses plus complexes et sur un autre complexe. Que ce soit sur le traitement en amont des données, donc la transformation, ou même sur la phase d'un indicateur complexe. Et des indicateurs qui nécessitent beaucoup de choses plus complexes, par exemple, le taux d'épuisement de la trésorerie, c'est typiquement des choses qu'on retrouve des formules dans Excel de 12 km de long. Là, on peut faire avec une boucle ou un vidage, en fait, c'est sur deux lignes, c'est exactement la même chose. Voilà, de manière plus propre, finalement, d'exprimer des formules plus complexes. Mais ça s'adresse à des capteurs plus avancés du monde. Alors, par défaut, les scripts sont en JavaScript. On a choisi de standardiser le JavaScript pour une raison fondamentale, c'est que les plateformes sont en web, qui fonctionnent sur le web. Donc, on a une vraie API pour toutes les plateformes de JavaScript.
et on a choisi de, s'il y a un seul langage à apprendre, c'est les JavaScript, parce que ça permet de piloter la PI, il permet aussi de créer des nouveaux DLB, de créer des transformations complètes. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut en JavaScript, c'est un langage qui est très documenté, pour lequel il y a énormément de cours, donc c'est-à-dire que n'importe qui peut venir trouver de la compétence très facilement pour le standard. Si on devait vous mettre en concurrence avec Tableau, quels seraient vos points forts? Spectrum, je pense qu'on en a déjà parlé un peu, mais on en parlera dans le fond, c'est-à-dire que... Non, mais ce que je veux dire, c'est que le Spectrum n'est pas un langage propriétaire chez nous. Et donc, il y a pas mal d'autres choses aussi, j'ai parlé tout à l'heure de la scalabilité, c'est-à-dire que nous, on fournit notre solution, et que tu es capable de monter vers des milliards de lignes sans avoir besoin d'un accompagnement supplémentaire. Quand on a Tableau, c'est des très gros volumes de données, les temps d'attente ne sont pas forcément très bons. Donc là, on a une vraie solution qui est capable de scaler dans des milliards de lignes sans avoir besoin d'un produit complémentaire. On verra. Donc ça veut dire qu'elle peut être installée sur Linux, sur Windows, sur n'importe quel OS et incluant n'importe quel plateforme, Google Cloud Platform, Microsoft Azure. On a vu d'être ici, mais surtout on a un bon fournisseur français qui s'appelle OVH, pour lequel on stocke nous avec eux des données de santé, qui sont habilités d'hébergement de données de santé, donc très bon prestataire d'hébergement, qui a peut-être plus d'augmentation, mais qui on travaille beaucoup sur les économies de plateforme. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est parfait. Merci beaucoup. Merci.